ខ្ញុំសូមអញ្ជើញអ្នកជោះអង្គជំនុំជម្រះប្រកាសបន្តកិច្ចដំណើរការនីតិវិធីសមនការសូមអញ្ជើញមេធាវីការពារក្តីអន្តរជាតិ Merci, Monsieur le Président. Je voulais réagir à la question qui est posée par ma consoeur des partis civils et qui est maladroitement adressée à l'expert, alors que ce n'est pas lui qui doit répondre, c'est la défense. La défense, dans le cadre de ses pouvoirs, a demandé à pouvoir avoir dans son équipe un consultant. Il aura sans doute échappé au parti civil que tout cela s'est fait dans les règles et que se trouve au dossier le permis de communiquer établi par les co-juges d'instruction autorisant M. Raoul Génard à visiter autant que nécessaire l'accusé. Ce qu'il a fait, je ne vous ai pas demandé les notes qui ont été prises par votre expert, le docteur Sotehara, lors de ses entretiens avec vos clients, les victimes. Vous serez donc gentil de ne pas demander à M. Raoul Génard de fournir les notes de ses entretiens avec la cliente. Vous avez eu le droit à des experts, la défense a le droit à des experts. M. Génard a fait un rapport, ce rapport est au dossier, c'est totalement transparent. Et vous avez toute liberté pour l'interroger sur à la fois le rapport qui est au dossier et sur la communication qu'il a donnée oralement tout à l'heure à la fois. Je vous remercie, monsieur le président. Je vous remercie, monsieur le président. រួមទាំងសហគមន៍ទាំងឡាយដែលបានដេញដោលគ្នានៅចំពោះមុខអង្គជំនុំជម្រះនេះផងដែរសូមអរគុណលោកប្រធានអញ្ជើញសូមអរគុណលោកប្រធានហើយខ្ញុំបាទសូមគោរពលោក លោកស្រីចៅក្រមជាតិនិងអន្តរជាតិខ្ញុំសូមហើយសូមជម្រាបសួរលោកយិនណាខ្ញុំបាទឈ្មោះគង់វិស័យហើយខ្ញុំបាទសូមតាំងសំណួរពីរសំណួរទេហើយក្រោយពីនោះខ្ញុំជូនវេទិកានេះទៅឲ្យខាងក្រុមមួយនិងក្រុមបីហើយខ្ញុំឡើងនេះក្នុងតំណាងក្រុមពីរផងហើយនិងក្រុមបួនផងសំណួរទីមួយខ្ញុំសូមសួរទៅក្រោយបន្តិច តកតងទៅនឹងការចាប់ខ្លួននៅក្នុងយើងយល់ហើយថានៅក្នុងរបបលន់នល់ចំនួនឆ្នាំ93 94ហើយឈានចូល95ហ្នឹងគឺថាមិនទាន់បែកភ្នំពេញហ្នឹងគឺថាមានខាងខ្មែរក្រហមហ្នឹងគេមាន ដាក់បណ្ដាញចូលមកនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញនឹងច្រើនណាស់មានថែមទាំងនៅទីវត្តអារាមក៏មាននៅក្នុងកន្លែងផ្សេងៗទៀតក៏មានដែរហើយដល់ពេលខ្មែរក្រហមវាយផ្ដួលរំលំលន់នល់ចំនួនហ្នឹងទៅខ្លួនបានកាន់កាប់ទីក្រុងភ្នំពេញនៅពេលដែលខ្លួនបានកាន់កាប់ទីក្រុងភ្នំពេញហ្នឹងគឺថាដោយសារតែ ខ្លួនឯងធ្លាប់តែដាក់កិញដាក់អីចូល ចម្លើយអស់ទាំងនោះបានមកគឺសុទ្ធតែជាចម្លើយប្រឆាំងទៅនឹងខ្លួនឯងទាំងអស់បើន័យថាពេលសួរចម្លើយហ្នឹងជន់តែត្រូវបានគេសួរចម្លើយហ្នឹង
Merci. Maître, bien entendu, je l'ai déjà dit tout à l'heure, la question des aveux ou des confessions est une question centrale, à la fois pour comprendre S21 et pour comprendre ce même système de terreur du Kampuchea démocratique. Cette méthodologie un peu particulière, on en conviendra, pour obtenir de la part des personnes qui sont arrêtées une déclaration qui dise ce que le pouvoir, ce que le comité permanent, ce que la direction du Kampuchea veut qu'ils disent, c'était véritablement le but recherché. En fait, il ne faut jamais oublier, et c'était la même chose en Union soviétique, qu'être arrêté signifiait être condamné à mort. Donc ce n'était pas pour moduler d'une quelconque manière que ce soit une peine pour en évaluer l'importance. Non, c'était pour faire dire aux personnes emprisonnées ce que le pouvoir voulait qu'elles disent afin de pouvoir continuer une politique de répression. Il ne faut pas oublier que le mécanisme de la confession, le mécanisme de l'aveu, s'inscrit dans une recherche, je l'ai dit dans mon propos introductif, une recherche de l'ennemi intérieur. On peut appeler ça de la paranoïa, je n'ai pas les compétences psychologiques requises pour le confirmer, mais dès l'instant où il est acquis par le pouvoir, et je l'ai dit tout à l'heure, ça venait aussi d'instructions du communisme international. Dès l'instant où il est acquis qu'il y a un ennemi intérieur et qu'il faut le rechercher, il faut faire dire à ceux qu'on arrête qu'ils sont l'ennemi intérieur et aussi faire dire que d'autres font partie de l'ennemi intérieur. Les confessions, ça ne sert pas seulement à confirmer la culpabilité décidée d'emblée de celui qu'on confesse, mais ça sert aussi à accumuler des noms pour en arrêter d'autres. សូមអរគុណលោកជំនាញសំណួរទី2ទៀតតកតងទៅនឹងរដ្ឋបាលសាធារណៈនៅក្នុងយុទ្ធអនុវត្តនៅក្នុងមន្ទីរស-21តើលោកមានបានពិភាក្សាជាមួយជនជាប់ចោទទេថាລະបៀបនៃការដឹកនាំនឹងគឺគេប្រើລະបៀបរដ្ឋបាលសាធារណៈនឹងគឺថាវាយ៉ាងម៉េចដែរខ្ញុំជូនជាសញ្ញាបន្តិចគឺថាការដឹកនាំរបៀបថាផ្នែកនយោបាយឬមួយក៏ផ្នែករបៀបនៃការចាត់ចែងឬមួយក៏របៀបនៃការដឹកនាំទៅតាមផ្លូវច្បាប់បាទសូមអរគុណ Non, maître, je n'ai pas abordé cette question avec l'accusé.
ma préoccupation majeure était d'identifier les origines idéologiques, les sources d'inspiration, comment l'accusé et le système dont il était le serviteur en sont arrivés à faire ce qu'ils ont fait et d'où ils le tiraient. Et donc je n'ai pas consacré mes entretiens avec lui à des questions sur le mode de fonctionnement interne de S21. J'en étais d'autant moins enclin que ce travail était fait par ailleurs par l'instruction. On a eu de nombreuses informations sur la manière dont le centre fonctionnait, était structuré, organisé, et leurs relations internes à ce centre. Merci, Monsieur le Président. Bonjour, Monsieur Génard. Mon nom est Alain Werner. Je représente les parties civiles du groupe numéro 1 avec ma collègue Tichrina. J'ai quelques questions pour vous. Je suis un peu pressé par le temps. Je vous serais heureux si vous pouviez répondre succinctement à mes questions. Ça me permettra peut-être de vous poser toutes mes questions. Merci d'avance pour cela. J'aimerais juste suivre sur une des réponses que vous avez données au procureur international. Comme vous comprendrez, nous avons aussi des questions sur vos sources. Vous avez affirmé que des cadres intermédiaires ont été purgés dans les centres à l'intérieur du pays. Sur quelles sources précises vous basez-vous et si vous avez des sources, pouvez-vous alors nous donner des noms de certains de ces cadres intermédiaires? Mais je confirme ce que j'ai dit au coprocureur, c'est que les sources utilisées sont celles de DICICAM. Je ne suis pas en mesure de répéter ici des noms, mais les archives de DICICAM, à ma connaissance, sont consultables certainement par les parties civiles. Vous avez déclaré à la page 7 de votre rapport, en français ERN 001877177. Vous avez déclaré, selon les travaux de DICICAM, un manuel d'interrogation pratiquement identique pour tous les centres de sécurité fournit les techniques à employer jusque, et ce compris la torture selon les instructions du parti. Ce manuel est une compilation des pratiques commencées dans divers centres de sécurité pendant la guerre 1970-1975. Si ma compréhension est la bonne, le rapport, le manuel d'interrogation sur lequel que vous mentionnez est un manuel qui a été écrit par un interrogateur de S21. Qu'est-ce qui vous permet, quelles sont vos sources, qu'est-ce qui vous permet d'affirmer qu'un manuel pratiquement identique a été utilisé dans tous les centres de sécurité? Sur quoi est-ce que vous vous basez pour affirmer cela? វិធីសាស្ត្រនោះនៅក្នុងរបបមុនមុននឹងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យតើលោកបានពឹងផ្អែកទៅលើឯកសារអ្វីដែលលើកឡើងអំពីកំណត់ហេតុដៃនោះ Alors de mes entretiens avec l'accusé ឆ្លើយ Il y avait des questions sur la question de la formation Moi, ce qui me préoccupait, c'était de savoir d'où venait, qui avait appris ces techniques-là. Donc, j'y ai déjà partiellement répondu en rappelant que le rôle de Sun Sen. Et c'est à cette occasion-là que ce que d'aucuns, j'y ai fait allusion dans mon exposé introductif, ont appelé le manuel de la torture, qui est un carnet de travail, effectivement, comme vous l'indiquez, rédigé à S21, il y avait des séances de formation organisées par le Saint-Ébal pour d'autres personnels que le personnel de S21, où se retrouvaient donc des responsables d'autres centres de sécurité. Et cette dernière affirmation, vous vous basez sur ce que vous a dit l'accusé, c'est correct?
Je confirme que c'est basé sur un entretien avec l'accusé. Le docteur Hutchinson a dit, basé sur ses recherches et en citant ses propres sources, que les méthodes de torture à S21 se distinguaient de celles pratiquées dans les autres centres de détention, ce par leur cruauté et par leur nombre. Vous avez déjà effectivement fait référence à cela, mais pour être spécifique, qu'est-ce qui, spécifiquement dans vos recherches, permet de diverger avec le docteur Hutchinson et d'émettre un avis contraire, basé sur vos recherches? On n'a pas d'indication contraire, on n'a pas d'indication qui permette d'affirmer d'une manière aussi péremptoire que les méthodes d'investigation, les pratiques de torture utilisées dans les autres centres de sécurité étaient d'une nature plus soft, plus douce qu'à S21. Et dans la mesure où il y a eu, comme je vous l'ai dit dans ma précédente réponse, des sessions de formation pour membres des services de sécurité de différents centres, on ne voit pas pourquoi, dans certains cas, on se priverait de certaines méthodes que l'on utiliserait à S21. Vous avez parlé des confessions. Simplement pour comprendre parfaitement ce que vous dites, est-ce correct que, quand on parle des confessions des centres de détention à l'intérieur du pays, on n'est pas en mesure de dire quoi que ce soit sur ces confessions parce que la plupart ont été détruites? Est-ce bien ce que vous avez dit tout à l'heure? Ce que j'ai dit et ce que je répète maintenant, c'est que je crois que la rigueur impose la prudence. Ce n'est pas parce qu'on n'en a pas trouvé qu'il n'y en a pas eu. Il y a eu davantage de possibilités de les détruire qu'à S21, dont le directeur avait été par quelqu'un d'éminent dans la direction du Kampuchea démocratique, rassuré sur les craintes d'une arrivée rapide des Vietnamiens. D'accord. Par rapport aux listes d'ennemis, contrairement à ce que vous avez semblé affirmer, si je vous ai bien compris, l'accusé a accepté durant ses audiences que des listes d'ennemis ont été rédigées à la fin des confessions par les détenus S21 à la demande de l'accusé du personnel de S21 et donc probablement des milliers de listes d'ennemis confectionnés par les détenus ont été ont circulé. Il a également reconnu, lorsque moi-même je lui ai présenté une pièce, que le personnel de S21 a compilé et fait des résumés de ces listes et fait des analyses de ces listes. Il y a eu certaines personnes qui ne sont pas l'accusé, mais certaines autres personnes qui sont venues affirmer qu'en effet ces listes ont ensuite été disséminées. Ma question est la suivante. Est-ce qu'il y a des éléments dans vos recherches, mais des éléments précis que vous pouvez nous donner les sources qui vous permettent d'affirmer que de telles listes d'ennemis, un tel système de listes d'ennemis et de recherche d'ennemis a existé également dans les centres de détention à l'intérieur du pays? Monsieur le Président, je souhaiterais que Maître Werner nous donne la référence du moment où l'accusé aurait reconnu des milliers de listes. J'entends là ce qu'a affirmé Monsieur Hutchinson. Je n'ai jamais entendu l'accusé reconnaître des milliers de listes. Donc, s'il veut bien vous poser une question à l'expert, mais citez-vous aussi vos sources. Merci. Laissez-moi reformuler ma question. L'accusé a admis
l'existence de listes d'ennemis confectionnées à S21 par les prisonniers eux-mêmes. Il a également admis le fait que les gardes de S21 ont perfectionné des résumés et des analyses de ces listes. Et le docteur Hutchinson, sur ces deux catégories de listes, est venu dire qu'il y avait probablement des milliers de listes dans chaque catégorie. Et ma question pour vous était de savoir s'il y a des éléments spécifiques dans vos recherches qui vous permettent d'affirmer que un tel système de listes d'ennemis a existé ailleurs qu'à S21. Je voudrais tout d'abord que j'ai un peu un problème avec l'expression liste d'ennemis. Pour les confessions sur lesquelles moi j'ai travaillé, il y a des noms, mais je ne parle pas de liste. Il y a différents noms qui arrivent, mais parler de liste, ce que je connais moi comme liste, ce sont des listes élaborées a posteriori. Le procureur a fait allusion tout à l'heure à une liste de plus de 40 personnes venant d'autres centres de sécurité. Mais ce sont des listes élaborées a posteriori sur la base des gens qui sont arrivés à S21 et qui ont connu le destin que nous savons. Je n'ai pas personnellement connaissance de listes élaborées avant de listes élaborées d'ennemis élaboré avant leur arrestation. Je parlais de listes qui étaient rédigées à la fin des confessions, mais des listes avec des noms, des listes de noms d'ennemis. Le mot liste reste équivoque, des séries de noms, oui, mais liste peut laisser penser qu'on est devant des centaines de noms, des milliers de noms. Je ne suis pas en mesure de confirmer cela. Monsieur le Président, j'ai votre question. Merci, Monsieur Génard, vous avez parlé, et c'est le sujet de votre rapport du climat de terreur, de secret et de purge permanente. Comment expliquez-vous que l'accusé ait pu rester pendant 9 ans sans discontinuer, de 70 ou 71 à 79, à la tête successivement de deux centres de détention, sans être lui-même purgé? Répondre à votre question supposerait qu'il y a une logique dans les purges. Je pourrais vous répondre en vous posant la question suivante. Comment expliquez-vous qu'un certain nombre de dirigeants, de membres du comité permanent, du comité central, n'aient pas été purgés, alors que d'autres l'ont été? Ça relève de l'irrationnel de l'obsession de l'ennemi. Ou parce que les explications politiques ne sont pas toujours les motivations véritables. Il peut y avoir dans la direction d'un parti comme dans la direction d'un pays des rivalités, ça peut relever de cela aussi. Et puis je voudrais ajouter, parce que quand même ça a été un facteur important, cette espèce d'obsession de voir dans toute personne dont on était plus certain, un traître, un agent de la CIA, du KGB et du Vietnam. Et à partir du moment où ce doute s'insérait, pour reprendre les termes de Lénine, ça devenait un ennemi. Pourquoi lui ne l'est pas devenu? Beaucoup disent qu'un certain nombre de dirigeants du Kampuchea démocratique, si le régime avait duré encore quelques mois, ne seraient pas devant vos chambres aujourd'hui. Il y a un irrationnel dans un système où chacun doute de chacun et où la seule réponse est la purge. Ma dernière question, j'aimerais finir. Il y a un interrogateur dont le nom est Prabkan qui est venu déposer devant ses chambres. Et cet interrogateur a affirmé sous serment et la cote française pour mes confrères 003561 28
22 juillet 2009, a affirmé qu'approximativement pas moins de 300 personnes de la division 703, donc des gens qui travaillaient eux-mêmes à S21, ont été purgés de 75 à 79. Et puis quand on a interrogé sur les motifs pourquoi quasi toute la division 703 a été purgée à S21, l'interrogateur a confirmé ce qu'il avait dit devant le juge d'instruction, à savoir que selon lui, la raison pour laquelle tant de personnes de cette division ont été purgées est que l'accusé ne souhaitait pas que la 703e division prenne trop le pouvoir et que l'accusé avait peur qu'il ne puisse pas rester le directeur de S21 pour toujours. Alors, c'est ma dernière question, M. Génard. N'est-il pas le cas alors que le dilemme n'est plus tuer pour ne pas être tué soi-même, mais c'est une autre logique qui serait tuer, y compris son propre personnel, pour toujours garder le pouvoir? Est-ce que vous avez un commentaire J'ai envie de vous dire qu'on est en pleine spéculation. Quelles sont les motivations profondes sans éléments objectifs, sans éléments concrets, selon que l'on souhaite charger quelqu'un ou essayer de s'en tenir au plus près des informations concrètes que l'on a, on va dire ben oui, pourquoi pas, parce qu'il y avait une question de pouvoir plus qu'autre chose, ou on va dire le contraire. Je me garderai de toute forme de spéculation. Il n'y a plus de questions. Merci d'avoir répondu à ma question, M. Génard. Merci, M. le Président. Nous n'avons pas de questions. Je vais vous demander de micro. Monsieur le Président, c'était pour vous dire que nous étions ralliés aux questions d'Alain Werner et que nous n'avons pas de questions actuellement. យើងផ្អែកតាមសំណួររបស់លោកអលង្វេណឺយើងមិនមានសំណួរអ្វីទេសូមអរគុណ សូមអរគុណលោកប្រធានសូមគោរពលោកចក្រមជាតិនិងអន្តរជាតិសូមគោរពលោកបណ្ឌិតខ្ញុំបាទសូមអនុញ្ញាតអានពីឃ្លាដែលនៅមាននៅក្នុងរបាយការណ៍ស្រាវជ្រាវរបស់លោកបណ្ឌិតដោយលោកបណ្ឌិតបានបញ្ជាក់ថាក្នុងចំណោមមន្ទីរសន្តិសុខទាំង 6 ជុំទាំងឡាយដែលទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុតចំពោះឧក្រិដ្ឋកម្មនិងការរំលោភច្បាប់ជាតិនិងអន្តរជាតិខ្ញុំសូមជួលលោកឲ្យសូមលោកបញ្ជាក់មើលព្រោះចេះលោកបានដាក់ក្នុងរបាយការណ៍ហ្នឹងគឺថាតាំងពីគុកចុងជ្រោយរហូតមកស-21នៅក្នុងលំដាប់ថ្នាក់ទី 10 អញ្ចឹងបានលោកសរសេរថាប្រធានមន្ទីរសន្តិសុខទាំង 10អាចចូលទៅក្នុងប្រភេទជនទាំងឡាយទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុតចំពោះអកតកម្មប៉ុន្តែខ្ញុំមើលឬក្នុងរបាយការណ៍ទាំងអស់របស់ឌីសេខេមក៏ដូចជានៅក្នុងរបស់លោកឃើញថាមន្ទីរសន្តិសុខទាំង 196គឺមានតួលេខដែលស្លាប់មនុស្សមានតែ 64 មន្ទីរសន្តិសុខទេ អញ្ចឹងប្រធានមន្ទីរសន្តិសុខទាំង 10 នេះគឺជាប្រធានមន្ទីរសន្តិសុខក្នុងចំណោម 64 ដែលមានតួលេខសូមលោកបញ្ជាក់មើលតើអញ្ចឹងមែនឬទេ Merci, maître. Ce qui m'a semblé important de montrer dans la consultation que vous m'avez demandé, c'est qu'il y avait un système qui était un système global, un système total,
qui s'étendait sur l'ensemble du territoire et que sur la base des informations recueillies. Et encore une fois, je répète ce que j'ai déjà dit, il faut bien entendu être prudent. Les statistiques de l'horreur, ça reste néanmoins des statistiques et elles sont fragiles quand on n'a pas d'autres éléments que les squelettes des fosses communes qui se trouvent aux alentours des centres de détention. Ces précautions étant rappelées, il m'a semblé important, pour un peu relativiser ce que j'appelais tout à l'heure les spécificités subjectives qui affectent S21, de souligner qu'il y a eu des centres de sécurité où un grand nombre, et quand je dis un grand nombre, c'est des dizaines de milliers de victimes supplémentaires par rapport à celles qu'on admet pour S21, il y a eu au moins 9 centres où il y a eu beaucoup plus de victimes qu'à S21 et pour lesquelles il n'y a personne qui se trouve devant cette cour. Si je peux me permettre, avec tout le respect que je dois à la cour, ma conception de la justice, ce n'est pas faire des boucs émissaires, c'est de traiter de la même manière tous ceux qui doivent être traités de la même manière. Et donc, on sait, mais ne me demandez pas de dire aujourd'hui des noms, ne me demandez pas de faire ce que ne font pas ceux qui devraient le faire. On sait qu'il y a, sur les 900 où il y a eu plus de morts, plus de victimes, plus de torturés, plus de massacrés qu'à S21, on sait qu'il y a un certain nombre de directeurs de ces centres qui sont aujourd'hui en vie. C'est cela que je voulais souligner. ខ្ញុំចង់សួរថាមន្ទីរសន្តិសុខទាំង 162នៅក្នុងរបាយការណ៍របស់ឌីសខេមក្តីនៅក្នុងរបាយការណ៍របស់លោកបណ្ឌិតក្តីគឺមានតួលេខតែ 64មន្ទីរសន្តិសុខទេដែលមានមនុស្សស្លាប់ឯ 132មន្ទីរសន្តិសុខនេះគឺគ្មានតួលេខសោះអញ្ចឹងដែលខ្ញុំចង់សួរលោកបណ្ឌិតថាតើ 10មន្ទីរសន្តិសុខនេះវាជាតួលេខដែលថាច្រើនដែលថាវាលើសគេនឹងក្នុងចំណោមហុកសិបបួនគុកដែលមានតួលេខនេះឬទេខ្ញុំចង់សួរទៅនឹង Ma réponse est oui, et si j'ai choisi dans la consultation que vous m'avez demandé d'être muet sur les autres, c'est parce que justement, il y a un devoir de rigueur et qu'en présence de formations trop fragiles à mes yeux, j'ai préféré ne pas mentionner, j'ai vu, on peut voir, il suffit même d'aller visiter S21 au premier étage de... Si je me souviens bien, le bâtiment B, il y a des statistiques pour un très très grand nombre de centres de sécurité. Dans certains cas, personnellement, j'estime que les chiffres sont trop fragiles pour ne pas dire, je n'ose pas utiliser le qualificatif fantaisiste parce qu'il s'agit quand même de victimes, mais la prudence m'a incité à ne pas évoquer autre chose que les 164 que j'ai évoqués. ខ្ញុំត្រូវតែគោរពមានខណ្ឌឬក៏ជនរងគ្រោះខ្ញុំមិនអាចនិយាយក្នុងលក្ខណៈស្រពេចស្រពិលអំពីចំនួនមន្ទីរសន្តិសុខ 64ដែលលោកលើកឡើងនោះទេសូមអរគុណលោកបណ្ឌិតខ្ញុំបាទសូមសួរក្នុងរបាយការណ៍ដដែលដែលខ្ញុំអានមិញហ្នឹងលោកបណ្ឌិតថាប្រធានមន្ទីរសន្តិសុខទាំង 10 ដែលតួលេខមានដែលខ្ញុំជម្រាបមិញមានតែ 64 ហ្នឹងអាចចូលទៅក្នុងប្រភេទជនទាំងឡាយដែលទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុតចំពោះអង្គតកម្មនិងការរំលោភច្បាប់ជាតិនិងអន្តរជាតិទាំងចោះខ្ញុំសួរលោកបណ្ឌិតថានៅក្នុងរបាយការណ៍លោកបណ្ឌិតក៏បាននិយាយដែរ
ថាលិខិតចុះថ្ងៃទី30ខែ3976ដែលគណៈអចិន្ត្រៃយ៍មជ្ឈមបកកុម្មុនីកុម្មុនីកម្ពុជាប្រគល់សិទ្ធឲ្យមនុស្ស4ក្រុមដែលមានសិទ្ធសម្រេចកំពេចក្នុងជួរនិងក្រៅជួរអញ្ចឹងទាំងអស់ហ្នឹងទាំងពីរហ្នឹងខ្ញុំសូមសួរលោកបណ្ឌិតថាតើមនុស្ស4ក្រុមឧទាហរណ៍ដូចនៅក្នុងហ្នឹងគេថានៅក្នុងភូមិភាគគឺលេខាភូមិភាគជាអ្នកមានសិទ្ធិសម្រេចកំទេចអ្នកណាទុកអ្នកណាគឺស្រេចតែលេខាភូមិភាគដល់មកក្នុងមន្ទីរជុំវិញមជ្ឈិមគឺលេខាមន្ទីរ807ជាអ្នកមានសិទ្ធិសម្រេចសម្លាប់អ្នកណាឬក៏មិនសម្លាប់អ្នកណាដល់មកតំបន់ឯករាជ្យគឺប្រគល់ឲ្យគឺលេខាគឺមជ្ឈិមបាក់ខ្លួនឯងអ្នកសម្រេចដល់ទៅក្នុងជួរកងទ័ពមជ្ឈិមគឺអគ្គសេនាធិការគឺសុនសេនជាអ្នកសម្រេចអញ្ចឹងខ្ញុំសូមសួរលោកបណ្ឌិតថាតើមនុស្ស4ក្រុមហ្នឹងតើជាអ្នកទទួលខុសត្រូវចំខ្ពស់បំផុតចំពោះអកតកម្មនិងការរំលោភច្បាប់ជាតិនិងអន្តរជាតិឬទេពីព្រោះមជ្ឈិមបកបានកំណត់ថាអ្នកឯង4ក្រុមហ្នឹងមានសិទ្ធិសម្រេចទូទាំងប្រទេសណាកន្លែងណាគឺថាលេខាកន្លែងនោះគឺមានសិទ្ធិសម្រេចអញ្ចឹងដែលខ្ញុំសូមសួរថាតើ4ក្រុមហ្នឹងវាជាជនទាំងឡាយដែលទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុតនោះឬទេបាទចំនួនមានប៉ុណ្្នឹងនេះសូមអរគុណJ'ai envie de vous poser une question, maître. Est-ce qu'il y a une graduation dans la gravité des crimes qui sont en cause selon qu'on serait directeur à Phnom Penh ou directeur à Kompong Chau ou à Kratie? Et donc ma réponse est oui, c'est responsable de centres de sécurité, pas parce qu'ils sontAujourd'hui, on dirait en province que leur responsabilité est moindre et donc ils devraient tomber sous la même incrimination. សូមអរគុណលោកបណ្ឌិតប៉ុន្តែលោកបណ្ឌិតឆ្លើយវាហាក់ដូចជាមិនចំសំណួរដែលខ្ញុំចង់ដឹងខ្ញុំចង់ដឹងថានៅក្នុងរបាយការណ៍របស់លោកបណ្ឌិតបានបញ្ជាក់ច្បាស់ថាប្រធានគុកទាំង10នេះអាចចូលជាជនដែលទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុតចំពោះអង្គរដ្ឋកម្មនឹងការរំលោភផ្សេងៗអញ្ចឹងទៅណាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមសួរលោកវិជ្ជបណ្ឌិតថាអញ្ចឹងមនុស្ស4ក្រុមដែលលេខអចិន្ត្រៃយ៍មជ្ឈិមបកបានប្រគល់សិទ្ធិទៅឲ្យ4ក្រុមហ្នឹងអ្នកឯងមានសិទ្ធិសម្រេចកំពេចណាទុកណាស្រេចទៅអ្នកឯងអញ្ចឹងខ្ញុំចង់សួរលោកបណ្ឌិតថាតើ4ក្រុមហ្នឹងជាជនទាំងឡាយដែលទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុតចំពោះអកតកម្មនិងការរំលោភទាំងអស់នោះឬទេសូមអរគុណ Si je comprends bien votre question maître et si je me souviens à la foisde la loi qui crée ces chambres extraordinaires, de la résolution du Conseil de sécurité et de l'accord entre l'Organisation des Nations Unies et le gouvernement du Cambodge, il y a deux catégories de personnes, les principaux dirigeants et les responsables de graves violations des conventions de Genève et crimes contre l'humanité.Pour moi, les personnes auxquelles vous faites référence, les responsables de chacune des quatre catégories, entrent dans la qualification de responsables de le deuxième groupe de personnes, si vous voulez, qui est cité à la fois dans la loi et dans la résolution du Conseil de sécurité. J'espère que maintenant j'ai répondu à votre question. ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិនោះតើលោកជ្រាបឬទេបាទសូមអរគុណខ្ញុំបានស្ដាប់សំណួរចម្លើយរបស់លោកបណ្ឌិតចុងក្រោយនេះថាជន4ក្រុមនេះក៏ស្ថិតនៅក្នុង
ចំណោមពួកក្រុមទី2 ហើយលោកអមេក៏ខ្មែរក្រហមធំធំជាច្រើនដែលចាប់មកជួបខ្ញុំនៅតំបន់ 22 ហ្នឹងគុកហ្នឹងគឺខ្ញុំឃើញឈ្មោះស្លាប់នៅស 21 ទាំងអស់ដូច្នេះតើលោកបណ្ឌិតបានស្រាវជ្រាវគុកនៅស្រុក 13 បញ្ចូលថែមហើយឬនៅខ្ញុំចង់ដឹងប៉ុណ្ណឹងទេសូមអរគុណ. Non maître, j'ai pas fait de recherche complémentaire. Merci, Monsieur le Président. Bon après-midi, Monsieur le Témoin. Il me reste encore quelques questions à vous poser. Merci pour votre contribution. Monsieur le Président, d'abord, à l'attention de mes collègues du bureau du coprocureur, il a dû vous échapper que la Défense a produit un bordereau de pièces qui est à la cote D80. Et notamment trois pièces à la cote D80 barre de fraction 8, D80 barre de fraction 9, D80 barre de fraction 10, qui sont des documents provenant de DICICAM. Monsieur l'expert, peut-être pourriez-vous justement nous dire, nous avons, la Défense a déposé ces documents. Il s'agit, pardonnez ma prononciation anglaise, donc de trois documents provenant de DICICAM, et je voudrais savoir si par hasard cela fait partie des documents que vous avez eu l'occasion de consulter. Donc le premier document que nous avons versé sous la cote D80 barre de fraction 8 s'intitule Genocide Sites in Cambodia. Et en français, 1975-1979, Cambodian Genocide Program, Yale University, Editors Susan Cook and Matthew Flatland, June 2001. C'est le premier document. Le deuxième document, sous la cote D80, barre de fraction 9, Composite Landsat Satellite Image of Cambodia, 72-76 et 1990, Wisma's Grave and Prison Site from 1975-1979, à nouveau Cambodian Genocide Program, Yale University, qui est d'ailleurs consultable sur le site de Yale. Et le troisième document, Mepim,
Mapping the Killings Fields in Cambodia, 1975-1979, Documentation Center of Cambodia, 2001, en anglais et en khmer. Monsieur l'expert, est-ce que ces documents, selon votre souvenir, font partie des documents consultables éventuellement que vous auriez vous-même pu consulter à DICICAM? Merci maître. J'ai une réponse très brève. Évidemment, vous avez cité les références complètes de ces documents. Il ne vous a pas échappé qu'ils viennent d'abord, avant même d'être répertorié à DICICAM, du Cambodian Genocide Program, dont j'étais membre du conseil scientifique. Ce sont donc pour moi des documents de première main que je connais avec une très grande familiarité. J'indique à la Chambre que par courrier en date du 9 mai 2008, à la COP D80, nous avons versé ces documents aux juges d'instruction, bien entendu. Mes collègues du bureau du coprocureur et les parties civiles ont nécessairement une connaissance de cette pièce. Et bien entendu, je demanderai à ce que ces documents soient versés à nos débats. Ils sont au dossier, mais je demanderai à ce qu'ils soient versés à nos débats. Monsieur l'expert, avant vous, à cette barre, sont venus plusieurs témoins, dont quelqu'un que vous connaissez certainement très bien, puisqu'il est chercheur comme vous, qui est Monsieur Greg Echetson. Je pense que vous aviez eu connaissance dans le dossier du rapport écrit de M. Edgerson, et peut-être ne savez-vous pas qu'à l'audience, M. Edgerson s'est très largement éloigné de son rapport écrit, pour ne pas dire qu'il l'a même souvent contredit. Parmi ce qu'il a contredit, il a notamment remis en question la parole de l'accusé quand celui-ci dit qu'il avait des entretiens quotidiens avec Sun Sen qui lui était imposé par celui-ci. L'accusé nous a expliqué que Sun Sen suivait jour par jour l'activité de S21 et souhaitait jour par jour un rapport sur ce qui se faisait à S21 et que ce rapport, dans la majorité des cas, se faisait par téléphone. M. Edgerson est venu dire à cette barre, M. Sun Sen était quelqu'un de très occupé et je doute fortement qu'il ait eu le temps de s'occuper de S21 jour par jour. Nous vous avons confié une consultation sur la chaîne de commandement. Vous avez rappelé à la Chambre ce matin qui était M. Sun Sen. Est-ce que sur ce point, la parole de l'accusé vous paraît sujette à discussion, comme le pense M. Edgerson? Ou bien connaissant le système de commandement du Kampuchea démocratique, au contraire, pensez-vous que les propos de l'accusé sur ce point sont crédibles? Monsieur Sun Sen était sans doute très occupé à remplir ses fonctions. Et une de ses fonctions, et non la moindre, était d'être le responsable au premier niveau, devant ses collègues du comité permanent, de la politique de sécurité.
Alors là, ni M. Krekel-Sesson, ni moi n'étions à un service d'écoute pour capter les communications téléphoniques éventuelles ou réelles entre M. Son Sen et l'accusé. Mais vu la responsabilité qui était celle de M. Son Sen vis-à-vis du cœur du pouvoir du Kampuchea démocratique, il est vraisemblable, il est plausible qu'il se soit inquiété, qu'il suive le centre de sécurité qui relevait directement du comité permanent. Donc je suis enclin à considérer que, sur ce point, les informations qui ont été fournies par l'accusé ont un taux élevé de crédibilité. Vous parlez de ce suivi effectué par Sun Sen, qui doit effectivement rendre compte au comité permanent. Est-ce que vous seriez d'accord avec moi pour dire que c'est aussi une spécificité de S21 que d'être quotidiennement, selon ce que dit l'accusé, sous le contrôle du comité permanent, ce qui n'était pas forcément le cas des autres centres? Est-ce que, quand on parle de spécificité de S21, ça n'est pas justement parce qu'il était en permanence sous le contrôle même du comité permanent? Il faut bien se représenter quelle doit être la préoccupation de la direction du Kampuchea démocratique, de ce petit groupe de 7 personnes obsédées par l'ennemi intérieur lorsqu'il s'agit d'une institution comme S21. Et donc je serais assez d'accord avec vous, maître, pour considérer que cette préoccupation, elle est quotidienne, permanente, d'autant que, comme cela a été dit de plusieurs parts, les personnes qui sont conduites à S21 ont, dans des proportions, j'ai lu le réquisitoire, qui voisine 80%, ont un lien avec le Kampuchea démocratique, sont du personnel divers, à divers niveaux, du Kampuchea démocratique. Il est donc tout à fait normal qu'à la différence des autres centres de sécurité, le comité permanent manifeste un souci, une préoccupation, une attention particulière à l'égard des S21, d'autant que certains de ses membres vont s'y retrouver. Est-ce que vous seriez alors d'accord avec moi pour dire que cette proximité avec le comité permanent à Douk toute liberté de manœuvre, peut-être à la différence d'autres centres plus éloignés, peut-être le chef de centre avait plus grande, j'ose même pas dire plus grande, mais avait une certaine liberté de manœuvre. Est-ce que je suis fidèle à la représentation que l'on peut avoir de la chaîne de commandement en disant cela, en disant que Duke, parce qu'il était proche du centre, n'avait quasiment aucune liberté de manœuvre? Est-ce que vous seriez d'accord avec moi là-dessus? J'ai envie de vous dire, maître, que personne sous le Kampuchea démocratique
ne disposait d'une liberté de manœuvre, qu'on soit à Phnom Penh ou à Ratanakiri. Il y avait peut-être un délai pour que l'autorité se manifeste, vu la géographie. Mais je crois que dans un système comme celui-là, poussé jusqu'où la délation a été poussée et la suspicion, et j'ai utilisé le mot tout à l'heure, même si je ne suis pas compétent pour l'utiliser, la paranoïa, personne ne jouissait d'une liberté de manœuvre, quelles que soient ses fonctions et quel que soit son niveau dans la hiérarchie. Et pourtant, M. Etchison est venu affirmer à cette barre, sous serment, qu'il considérait que Duc avait en quelque sorte une autonomie de décision, qu'il avait pu prendre lui-même des initiatives. Quel est votre sentiment? Est-ce que Duc avait une autonomie de décision? Si on n'a pas de liberté de manœuvre, on n'a pas d'autonomie de décision. Pourquoi donc lirait-on sur tant de confessions des annotations qui sont en fait des demandes adressées à l'autorité supérieure si on disposait d'une autonomie de décision? Il ne serait pas nécessaire de consulter OS21. Il est clair que la décision du sort ultime des prisonniers appartenait au premier chef, au comité permanent. Il me semble très difficile de voir, en tout cas sur la base de ce dont on dispose, une place ou de l'initiative ou de l'autonomie de décision. Je sais que les statuts du Parti communiste du Kampuchea invitent les membres à faire preuve de créativité et d'initiative. Mais les statuts, ils disent tellement de choses qu'on ne retrouve pas dans la réalité. Quand on lit attentivement les statuts du Parti communiste du Kampuchea, On a des dispositions éloquentes sur l'internationalisme prolétarien. Je doute fort qu'un observateur attentif de l'histoire du Kampuchea démocratique puisse y trouver des traces d'internationalisme prolétarien. C'est un petit peu les statuts du Parti communiste du Kampuchea, si vous me permettez une comparaison un peu audacieuse, comme la constitution de l'Union des républiques socialistes soviétiques, c'était quand même, du point de vue du droit constitutionnel, un très beau texte. On sait ce qu'il en était dans la réalité. Vous me démentirez si je me trompe, mais je crois avoir lu d'ailleurs que cette créativité ne pouvait s'exercer que dans la ligne du parti. C'est bien cela. La ligne du parti, maître, est effectivement l'expression qui compte et la seule qui compte. Il n'était pas possible de déroger à la ligne du parti et qui fixait la ligne du parti, si ce n'est les seules personnes étant membres du comité permanent de ce parti. Monsieur l'expert, vous l'avez compris, du côté du bureau des coprocureurs et aussi des partis civils, on cherche à donner une très grande importance à S21, une spécificité particulière par rapport aux autres centres, pour justifier que Duc soit aujourd'hui seul dans le box des accusés. Donc ce serait un centre très important et pourtant vous serez d'accord avec moi pour dire que Duc n'était pas un général de l'armée,
qu'il était dans la hiérarchie militaire, un commandant. C'est ainsi qu'il l'indique lui-même. Je ne pense pas que vous ayez trouvé nulle part trace de ce qu'il avait un rôle plus important dans la hiérarchie. Et il s'est défini lui-même quand on lui a posé ces questions en disant « En fait, j'étais le chien fidèle du parti », ce qui correspond plus au grade de commandant qu'au grade de général. Est-ce raison de regarder cela ? Maître, permettez-moi un petit peu, sous forme de boutade, de dire que j'ai trop de respect pour les chiens que pour les assimiler à la fonction qu'exerçait l'accusé. Un chien fidèle, c'est quelque chose de très précieux. Bien des aveugles le savent. Je crois que, effectivement, un directeur de centre, fut-il un centre important, et nul ne peut nier que S21 était un centre important, ne fût-ce que par la qualité ou les fonctions ou les titres de ceux qui y sont passés et y ont laissé leur vie après d'horribles souffrances. Mais c'est aussi une caractéristique de ce système, de ce régime du Kampuchea démocratique. Et je l'ai dit avec beaucoup d'insistance ce matin en faisant allusion à ce qui se passait dans l'Empire soviétique. Personne n'est à l'abri. Et si personne n'est à l'abri finalement, à part ceux qui décident au plus haut niveau, tous les autres sont des exécutants. Des exécutants zélés, moins zélés, plus zélés. En étant toujours attentif à ne pas être dans la prochaine charrette, mais des exécutants. Monsieur Génard, plusieurs dans cette enceinte ont reproché à Duc de ne pas avoir démissionné. C'est un grand sujet qui est venu, qui reviendra dans, je l'imagine, dans les réquisitions, qui reviendra dans les plaidoiries des partis civils. Il est donc resté en poste. De ce que vous savez de cette période, que pouvez-vous nous dire sur la possibilité de démissionner, de déserter son poste? A-t-on des exemples? Que pouvez-vous nous dire? Le coprocureur tout à l'heure international a bien voulu rappeler que mes travaux portent surtout sur la période qui suit 79. Le gouvernement royal du Cambodge est aujourd'hui présidé par quelqu'un qui fut parmi les tout premiers à s'insurger contre le régime du Kampuchea démocratique et qui a pu s'enfuir au Vietnam. Il se trouve que le Premier ministre était à l'époque à 5 km de la frontière vietnamienne. Et on peut penser qu'il était plus facile d'aller au Vietnam quand on était à 5 km de la frontière que quand on se trouvait à Phnom Penh. Il faut savoir, peut-être que cela n'a-t-il pas encore été dit, qu'il était interdit aux habitants du Kampuchea démocratique de se déplacer librement. Il fallait une autorisation. Et on n'avait pas nécessairement une autorisation pour se déplacer sur tout le territoire national. On pouvait avoir une autorisation pour se déplacer quand on travaillait à Phnom Penh. À Phnom Penh, et pas au-delà. Ou dans sa zone et pas au-delà. Il faut savoir aussi, et c'est dit dans les documents qui sont au dossier, que toute tentative de quitter le pays était passible de l'exécution, de la peine de mort. Il faut savoir enfin que
selon les périodes, et ça me semble quand même important de le rappeler, s'enfuir au Vietnam n'était pas sans risque. Parce qu'avant que s'instaure véritablement un état de guerre entre le Kampuchea démocratique et le Vietnam refoulait ceux qui fouillaient et qui cherchaient asile et refuge. Ça s'est atténué à la fin de 1977, je dis bien, un petit peu avant la rupture des relations diplomatiques. Mais en 75 et en 76, et au début de 77, fuir au Vietnam, c'était prendre le risque d'être refoulé et après exécuté. Donc il n'était pas aisé d'envisager de quitter le pays. C'était plus facile, il faut le reconnaître, si on était aux confins du pays, si on se trouvait à la frontière notamment thaïlandaise, puisque l'on sait qu'un certain nombre de Cambodgiens ont eu la chance, j'ai envie de dire la chance, de pouvoir fuir en Thaïlande, y compris sous le régime du Kampuchea démocratique, mais ce n'est quand même qu'une toute petite minorité. Donc ce n'était pas sans risque. Deuxièmement, même si ça ne s'applique pas dans tous les cas, ça a été assez dit et ce n'est pas contesté, que quand le Kampuchea démocratique, quand le régime frappait, il frappait pas seulement l'homme jugé responsable, mais aussi l'épouse, la famille. Et donc la répression de quelqu'un désertant ou fouillant sur la famille était un risque majeur. Ça peut faire réfléchir, ça peut inciter à hésiter, à ne pas partir. On entre ici dans un territoire difficile, parce que c'était le sens de mon dernier propos, des derniers mots que j'ai prononcés dans mon introduction. Qui, en face de ce choix horrible d'obéir, et d'obéir jusqu'à y compris en tuant, pour ne pas être tué, pourrait aujourd'hui, en conscience, dire qu'il se sacrifierait? C'est une question à laquelle chacun d'entre nous est renvoyé sans qu'on puisse en faire une réponse générale. Alors, une dernière question, monsieur l'expert. Vous avez renvoyé à la dernière phrase de votre exposé d'aujourd'hui, de ce matin. Je vais vous renvoyer au début de votre exposé où vous avez exprimé votre compassion pour les victimes. Vous avez travailler au Cambodge sur la restauration de la paix. Ma question est double. Premièrement, croyez-vous que le fait que pour la première fois un ancien cadre Khmer Rouge reconnaît publiquement sa responsabilité devant cette chambre, croyez-vous que cela peut aider la réconciliation? C'est la première partie de la question. La deuxième est plus difficile, en ce sens que les parties civiles sont dans une quête légitime de comprendre et de savoir tout ce qui s'est passé. Je leur ai dit dès le début que fatalement, elles ne sauraient pas tout. D'abord, parce que Duc ne connaît pas tout. Ensuite, parce que comment un humain peut expliquer l'inhumain. Et nous ne saurons donc, me semble-t-il,
que des parcelles de vérité. Mais c'est là où ma deuxième question rejoint la première. Croyez-vous que même si ce procès ne fait pas émerger les réponses à toutes les questions, croyez-vous qu'il peut tout de même aider à la réconciliation? Et je ne parle pas ici, comme on soit bien clair, je ne parle pas du pardon, qui est quelque chose qui est trop intime et qui appartient aux victimes. Je parle de la réconciliation sociale. J'ai été de ceux qui, avec les autorités cambodgiennes de 1979 à 1991, n'ont pas cessé de demander justice pour les victimes, ce qui leur avait été refusé par la communauté internationale pendant plus de 10 ans. Puisque vous le savez aussi bien que moi, dans les accords de paix, il était interdit d'utiliser des mots comme crime contre l'humanité, violation des conventions de Genève ou génocide. Et quand on parlait seulement, je cite, des pratiques d'un passé récent. Donc, j'ai été de ceux qui se sont réjouis lorsque, en 1997, dans le premier gouvernement issu du processus de paix, les deux co-premiers ministres ont adressé une lettre au secrétaire général de l'ONU pour demander l'assistance des Nations Unies afin que soient jugés les principaux dirigeants et les principaux responsables du Kampuchea démocratique et des crimes contre l'humanité. Je me suis réjoui, même si ça a pris beaucoup de temps, que ces chambres se soient mises en place, parce que je crois que ce pays a besoin de connaître à tous les niveaux la justice. Mais comme je le disais tout à l'heure, juger, c'est comprendre, c'est expliquer, et vous avez raison, maître. C'est aussi, cette procédure est aussi victime du régime du Kampuchea démocratique, de sa culture du secret, et qu'on ne saura pas tout. Mais ce qui se fait ici me semble capital, important, et doit contribuer à la réconciliation. La pacification du pays ne s'est pas faite par les Nations Unies, elle s'est faite par la volonté du gouvernement royal du Cambodge. Elle s'est faite dans des conditions difficiles, mais elle s'est faite. Ce que ni les Vietnamiens, ni Norodom Sihanouk, ni les Nations Unies n'avaient été capables de faire, le gouvernement royal du Cambodge l'a fait. Cette réconciliation, cette pacification, pardon, est encore fragile. Elle doit être préservée, mais je suis convaincu que les procédures qui sont en cours dans le cadre de ces chambres extraordinaires peuvent y contribuer s'il n'est dans l'opinion publique, en particulier dans l'opinion publique cambodgienne constituée par les survivants, le sentiment qu'elle procède de cette nécessaire réconciliation. Les Cambodgiens ont trop souffert. Beaucoup trop souffert. Il faut solder le passé dans l'équité, dans la justice. Et vous avez raison de ne pas évoquer la question du pardon, parce que ça relève de l'intimité de chacun des survivants, des familles des victimes. Mais il est indispensable pour le Cambodge, et je pense en particulier aux 60% des Cambodgiens qui sont nés après 1979, qu'ayant réglé les comptes du passé, ils puissent sereinement se tourner vers l'avenir.
ដែលបានធ្វើការជាមួយសុនសេនហើយសុនសេនបានផ្ដល់ការបញ្ជាក់ថាលោកបានដឹងពីការបោះឆ្នោតដែលបានធ្វើនៅថ្ងៃទី 1Khmer Rouge à reconnaître publiquement sa responsabilité. Je voudrais vous demander, maître, de ne pas me poser cette question. Cette question, seuls les Cambodgiens peuvent y répondre. Moi, je souhaite que cela aide. Moi, je souhaite que cela contribue à comprendre, à expliquer et à tourner la page. Nous avons vu... Enfin, moi, j'étais un peu trop jeune, mais nous avons vu au procès de Nuremberg une majorité de dirigeants nazis refusaient toute responsabilité et puis un d'entre eux acceptait la responsabilité. Je crois que reconnaître la responsabilité, c'est avancer, c'est apporter une contribution à la réconciliation. Ça n'exclut pas, ça n'écarte pas la responsabilité et ce qu'elle implique, mais ça contribue à aider à la réconciliation. Et donc, de ce point de vue, je souhaiterais que ce que l'accusé nous donne comme exemple soit suivi par les principaux dirigeants du Kampuchea démocratique. Ils doivent ça à un peuple qu'ils ont tant fait souffrir. Monsieur le Président, je n'ai pas d'autres questions. Monsieur l'expert, je la défense vous remercie d'être venu à cette barre. មេដឹកនាំការពីក្តីសូមថ្លែងអំណរគុណដល់លោករោគដល់រូបលោកដែលបានមកផ្ដល់តកិច្ចកម្មនៅចំពោះមុខតុលាការសូមអរគុណជាកិច្ចបន្តនេះអង្គយមរះផ្ដល់ឱកាសចំពោះជនជាប់ចោតប្រសិនបើជនជាប់ចោតមានបំណងក្នុងការធ្វើការកាត់សម្គាល់ចំពោះសក្តិកម្មរបស់អ្នកជំនាញ Raoul មកហ្សេណាដែលបានធ្វើការបတ်បង្ហាញនិងឆ្លើយតបនិងសំណួរនានាពីអង្គជំរះក៏ដូចជាភាគីដែលពាក់ព័ន្ធហើយព្រមជាមួយនឹងផងដែរក៏ប្រសិនបើលោកមានបំណងក៏លោកអាចធ្វើការកត់សម្គាល់ទៅលើសក្តិកម្មរបស់អ្នកជំនាញរីឆាតហ្គុលស្តូនដែលលោកបានធ្វើ សូមជឿនសូមគោរពលោកប្រធានសូមគោរពលោកសាស្ត្រាចារ្យរីឆាតហ្គុលស្តូនពីចម្ងាយនិងសូមគោរពលោកប្រាអ៊ូលម៉ាក់សេណាដែលនៅចំពោះមុខនេះខ្ញុំ សូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះលោកទាំងពីរដែលសក្តិកម្មរបស់លោកទាំងពីរធ្វើឲ្យខ្ញុំយល់ដល់ជំរឿនចិត្តជាជំរឿនចិត្តទៅដល់កិច្ចការដែលខ្ញុំត្រូវធ្វើចំពោះចិត្តប្រជាជនកម្ពុជាខ្ញុំគ្មានអីចំទាស់ទេមានតែថ្លែងអំណរគុណដល់ជ្រាលជ្រៅហើយនឹងដល់ស្មោះប៉ុណ្ណោះសូមបញ្ចប់ Pardonnez-moi, Monsieur le Président, pour une question donc de procédure. Je souhaite que soit versé à nos débats
la consultation de M. Génard qui est à la cote D 80 barre de fraction 5 du dossier d'instruction. Et nous souhaitons également que soit, pardonnez-moi, à la cote D82, pardonnez-moi, D82, et nous souhaitons également que soit versé au débat l'ouvrage de M. Génard, Les clés du Cambodge, qui se trouve à la cote D80, barre de fraction 5. Ainsi que les autres documents que j'ai déjà cités tout à l'heure. Je vous remercie, M. le Président. ដែលបានលើកឡើងនៅឯកសារមួយចំនួនដែលមាននៅក្នុងទម្រង់ហើយសូមដាក់ដេញដោលនៅចំពោះមុខអង្គជំរះតែលោកមានច្បាប់អ្វីទេសូមគោរពលោកប្រធានអង្គជំរះតំណាងសហប្រជាជាតិមិនមានការយល់ទាស់អ្វីទេនៅសំណើរបស់មេធាវីការពារក្តី We have no comments to make, Mr. President. យើងខ្ញុំពុំមានយោបល់ចង់លើកឡើងទៅលើចំណុចនេះទេលោកប្រធាន សូមអរគុណលោកជំនាញរ៉ាអ៊ូលម៉ាក់ឆាណាដំណើរការសកម្មការស្ដាប់សក្ខីកម្មរបស់លោកឃើញថាដល់ទីបញ្ចប់ហើយហើយអង្គជំរះសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះលោកដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃហើយអញ្ជើញចូលរួមធ្វើសក្ខីកម្មក្នុងនាមជាអ្នកជំនាញតាមការកោះអញ្ជើញរបស់អង្គជំនុំជំរះ ឥឡូវនេះដំណើរការសកម្មការសម្រាប់ថ្ងៃនេះឃើញថាដល់ទីបញ្ចប់ហើយអង្គជំរះសូមប្រកាសផ្អាកដំណើរការសកម្មការថ្ងៃនេះត្រឹមនេះហើយសកម្មការសូមលើកទៅបន្តនៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកចាប់ពីម៉ោង 9 ព្រឹកអនុរិយមន្ត្រីឃុំឃាំងឲ្យនាំជូនចាប់ចោតទៅកាន់មន្ត្រីឃុំឃាំងវិញហើយឲ្យនាំគាត់មកកាន់សាលសកម្មការនៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកឲ្យបានមុនម៉ោង 9 សូមអញ្ជើញក្រោយចូល